Sous la dynastie des Qing, l'empereur Qianlong ordonna la destruction du monastère de Shaolin, foyer de tous les soulèvements populaires. Et n'épargnez personne! La plupart des disciples de Shaolin s'enfuirent. Ils se réfugièrent à Hong Kong ou encore aux États-Unis. Les dynasties successives continuèrent de les poursuivre pour les exterminer. Je crois. Ça fait mal? Pas du tout. Les soldats arrivent. Il faut partir en vitesse. Je vous aider. Ton cheval, espèce d'idiot, tu ne pouvais pas le tenir. Allez vite, sauve-toi! Non, mon oncle. Je veux rester avec vous. Très bien. Alors nous allons les combattre. Oui. Regardez, mon oncle. Ils sont trop nombreux. Oui, tu as raison. Il vaut mieux fuir. Pousse-moi! Il fallait monter sur le cheval, imbécile! Quel est ton nom? Wang Saiyan, disciple de Shaolin. Et toi, comment te nommes-tu? Je t'ai cherché longtemps, mais cette fois je te tiens. Thank you.
fois de ne pas te battre sans moi. Je n'avais pas le choix. Nous verrons ça une autre fois. Capturez-les. Mon oncle, nous pourrions nous cacher là-bas. Très bien. Mon oncle, vous êtes blessé? Oh, sale bête. Oh, si je ne me retenais pas, je la découperais en morceaux, cette bourrique. C'est pas sa faute. Vous êtes lourd, il faudrait songer à maigrir. Oui, mais que veux-tu? Je ne fais que me nourrir, dormir, prier. Il est normal que je prenne du poids. Eh bien, justement, ça n'est pas très bon pour l'image des moines. Allez, on va se mettre à l'abri. Sois un peu plus respectueux avec ton oncle. Mais... quel vent! La maison est vide, tant mieux. Asseyez-vous là, mon oncle. Apparemment, il n'y a rien de cassé, c'est juste une entorse. Qui va là? Nous fuyons les soldats, mademoiselle. Ne craignez rien. Dès qu'ils seront partis, nous partirons. Je vais vous faire un massage. Je suis moine, et un moine ne ment jamais. Vous n'avez rien à craindre. Elle est vraiment charmante, cette jeune femme. Dommage qu'elle soit partie. Est-ce que tu peux voir à travers ses vêtements? Dites donc, vous n'avez pas honte? Je vous rappelle que vous êtes moine. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Je ne le ferai plus. Installez-vous confortablement, mon oncle. Voilà. Cette souche, c'est mieux, hein? Les soldats approchent. Je vous protégerai. Ne vous inquiétez pas. Arrête de jouer les héros. Enfin, ce n'est pas le moment de séduire une jeune femme. Venez, on va se cacher derrière les fagots, là. Vite, ils sont tout près. Qu'est-ce que vous faites? On ne doit pas se coller contre un homme. Il faut que je me cache, moi aussi. Non, je vous ai dit qu'il ne fallait pas. Vous ne pouvez pas être si près de moi. Allez vous cacher ailleurs. Vous êtes vraiment trop bête. Je vous prie, mademoiselle, de respecter mon oncle. Eh bien, le respect, ça se mérite. Est-ce bien le moment de se chamailler? Allez, venez vous cacher. Ne me touchez pas! Soyez gentil de garder vos distances. Fouillez partout! Bien, chef! Allez-moi dans cette cabane-là! Il y a personne là-dedans. Vous devez vous tromper, on ne fera jamais ça. Je suis disciple de Shaolin, et lui, c'est un moine qui a fait vœu de chasteté. Un tel acte ne peut venir de moi, je vous l'assure. Sale menteur! Écoutez mon oncle, puisqu'il vous le dit. Et d'ailleurs, avez-vous une preuve de cet attouchement? Si j'ai une preuve? Et cette main, c'est quoi? Ma main n'est pas aussi large, vous voyez bien. Tu as six nuques, c'est moi. Ah non, elles sont trop grandes, les vôtres. Oh, arrêtez vos histoires! Vous êtes deux pervers, et c'est tout. Il a fallu qu'on se cache en vitesse, il y a eu une main qui se trouvait là, c'est tout. Écoutez, je suis désolé pour ce geste tout à fait accidentel, vraiment désolé. Mon neveu et moi-même vous présentons nos excuses, mademoiselle. Oui.
Alors là, ça va faire beaucoup mieux vaut que nous nous en allions. Excellente idée, mon oncle. Oh. Venez. Oh. Faut pas traîner ici. Allez. À vous, c'était toi. Je ne sais pas, dans l'affolement. Je ne te parle pas de la marque qu'elle a, mais de celle-ci. J'ai pas une petite main comme ça. Dis-moi que c'est toi, et pas cette fille. Parce que si c'est elle, elle n'est pas si prude que ça. Elle n'a pas fait exprès. Attendez! Vous pourriez me remercier? Bien sûr, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Si je n'avais pas été là, vous seriez peut-être mort. Ça, c'est vrai. Puisque vous êtes des moines, vous allez faire une prière pour ma mère défunte. C'est promis, nous allons le faire. C'est quoi votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Tao. Moi, c'est Fong Saiyan. Et moi, Tienan. Restez pour la nuit, si vous voulez. Avec plaisir. Merci de votre gentillesse, mon oncle est si fatigué. Et surtout, ne m'aide pas. Dites-moi, pourquoi vous êtes-vous réfugié dans cette hutte? Parce que j'ai fui la maison de plaisir où je travaillais. Un bordel? Oui, en quelque sorte. Dans mon village, nous n'avions plus rien à manger. Et ma famille a été obligée de me vendre. Mais cela n'a servi à rien. Mes parents sont morts. Je comprends mieux certaines choses. J'ai entendu du bruit! C'était un mouton, c'était pas la peine de s'affoler comme ça. Qui s'affole? C'est pas moi, c'est toi. Ah, et vous qui nous faites peur pour rien. Oh là là. C'est moche de vieillir. Un grand maître comme moi, hein, rien me fait peur. Il n'y a plus aucun espoir. Il est inutile de se battre. Maintenant, c'est fini. Tous nos disciples sont partis et notre monastère est en ruine. Tu sais quoi? Toi et moi, nous allons vivre comme des ermites. Nous allons nous retirer du monde et prier dans notre coin jusqu'à la mort. Je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas tout abandonner. Je veux encore combattre. Oh, mais je disais ça pour t'éprouver. Qu'est-ce que tu crois? Quand nous étions à Shaolin, j'ai réussi toutes les épreuves. J'ai passé l'épreuve du feu, puis aussi celle du chaudron brûlant. On dirait pas en vous voyant. Regardez, j'ai tous les tatouages qui le prouvent. J'ai le dragon à gauche et le tigre à droite. C'est quoi ça? Mais vous êtes folle, ça fait mal! Oui, c'est bien ce que je pensais, vous n'êtes qu'un débutant. Avant, il faut se concentrer, et je n'étais pas prêt. Je suis prêt à donner ma vie pour protéger celle de mon oncle. C'est notre temple qu'il aurait fallu protéger. Oh, alors ça veut dire que ma mère n'aura pas les prières que vous deviez faire, hein? Mais je peux les faire ici, il me faudrait un grand feu. Je m'en occupe. Je viens avec vous. On va prendre ce bois. On va le poser là-bas. Oui. Ça doit pas être facile de faire la prostituée. Ça a dû être dur aussi, votre entraînement à Shaolin. Oh oui, vraiment très dur. Regardez mes cales. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert, moi aussi. Mais moralement. Et quand ça vous est arrivé pour la première fois, c'était avec un jeune ou un vieux? Un vieux, mais je n'avais pas le choix. Quel dégoûtant. Et comment ça s'est passé quand vous l'avez fait? J'ai fermé les yeux. Alors vous aviez peur? Oui, bien sûr. Et après, vous avez fait quoi? J'ai crié. Et pendant, il vous a fait quoi? Arrêtez, ça suffit. Pourquoi vous voulez tous ces détails? Je ne vois pas en quoi ça vous intéresse. Moi, je veux oublier tout ça. Oui, vous avez raison, il faut oublier. Et si je peux vous aider, n'hésitez pas à me demander. Je n'ai plus qu'un seul but maintenant. C'est de rentrer chez moi. Ouais. Soyez sans crainte, je vous protégerai jusqu'à votre village. Vous le ferez? Mais oui, bien sûr que je le ferai. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui. Il y a toute une armée dehors. Sortir de là! Vite! Canon de feu!
ton oncle. Saillant, sortons par là. Mon oncle! Mon oncle! Où êtes-vous? Mais il y a plein de soldats. Qu'est-ce qu'on va faire? En position! Saillant! Mon oncle! Il est blessé! Mon oncle! Je vais vous dégager! Mon oncle! Ils avancent sur nous! Tenez-vous prêts! Fong Saillant, je te conseille de te rendre ou bien vous allez tous mourir. Tao, vous restez là et vous vous occupez de mon oncle. D'accord. Approchez si vous en avez le courage. Puisque tu veux te battre, on se battra. Qui avance, je le massacre! Saillant, si tu tiens un peu à cette fille, je te conseille de te rendre. Si vous promettez de la libérer, je me rends. Rends-toi et je la libère. Fais du moine. Ramenez-le. Bien, chef. Non, arrêtez. Si vous touchez à mon oncle, je vous tuerai. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Mona, aie pitié de Mona. Je vous tuerai. Je vous tuerai. Avance! Mais
touche pas! Tu vois bien que je suis blessé! Vous deux! Arrête! Mettez-vous en rang! À genoux! Votre Excellence, nous avons attrapé et tué ce maudit moine. Et en prime, je me suis permis de vous apporter un petit présent. Avance! Je m'adresse aux nouveaux prisonniers. Vous pouvez remercier le ciel d'avoir la chance d'être vivant. En revanche, je vous préviens que les prières et les entraînements sont interdits. Vous n'êtes plus disciples de Shaolin. Vous êtes des esclaves de notre maître. Écoute-moi. On va peut-être être prisonniers ou esclaves, mais on sera toujours des disciples fidèles à Shaolin. Tiens donc. Puisque tu es courageux, voyons ce que tu sais faire. D'accord, je suis prêt à me battre. Très bien. Je vous autorise à vous mesurer tous les deux. Qu'on libère cet homme. À vos ordres, Excellence. Arrête, ne fais pas ça. D'autres prétendent appartenir au temple de Shaolin. On est tous disciples de Shaolin et à jamais! À jamais! Puisque tu restes fidèle, je te propose une petite épreuve. Si tu parviens jusqu'à moi, alors tu pourras être libre et faire tout ce que tu voudras. Sortez-le! Bien, chef! Fais attention, c'est un piège. Avance! Arrêtez! Non, ça va. Tu vas tomber. Je suis en train de tomber. Je sais. Baisse-toi. Saillon, tu l'auras jamais. Reviens avec nous. Tiens-le.
arriver. Je vais lâcher. Oh. Remonte, tu vas brûler. Non. Sors du brasier. Sors-toi de là. Aidez-le. 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 Ce n'est pas si facile de m'atteindre, comme tu le vois. Votre art ne vous sert à rien. Si l'un de vous s'amuse encore à vouloir se rebeller... Salopard. Je le tuerai de mes mains. Alors si tu veux me tuer, tu vas le faire maintenant. Les braves meurent tous un jour. C'est toi qui vas mourir. C'est toi, tigre fantôme. Il y a des années que je ne m'appelle plus comme ça. Nous étions frères. Plus maintenant, je sers l'empereur des Qing qui gouverne ce royaume. Shaolin, c'est fini. Oh, non, c'est pas vrai, espèce de traître. Si tu tiens à la vie, écoute mon conseil. Arrête ce combat sur le champ. Tu es devenu leur petit chien servile. Tu mérites une bonne leçon pour nous avoir trahis. Accepte de te battre si tu en as le courage. Car je connais très bien cette technique, je l'ai apprise là-bas. Eh bien, soit. Cela amusant. Il est très rare de voir deux disciples de Shaolin s'affronter comme cela. Continuez, messieurs. Tu as peur, hein? Moi, jamais! C'est ce qu'on va voir! Oh, ça fait mal! Qu'est-ce que t'attends? Bats-toi! Meurs.
plus la jeunesse. Compris? Saillant, lève-toi! Pas toi! N'y a-t-il un disciple de Shaolin qui veut tenter sa chance? Personne. Ongekun, tu as très bien combattu. Je t'offre Jade pour te récompenser. Merci, Excellence. Que tous les hommes reprennent le travail. Quant à Saillon, veuillez le jeter dans la fosse. Oui, maître! Eh bien alors, Saillon, tu ne me reconnais pas. Jin Xin, ton maître. Oh, tu as mal? Oui, un peu. Oh, quelle tristesse. Toi aussi, ils ont fini par te prendre. Ne vous inquiétez pas. Dès que je serai en état, je vous sortirai de là, maître. Ça fait si longtemps que je suis là. Jamais personne n'est sorti vivant de cette maudite fosse. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. Encore. Rince-toi bien. Ah, ah, doucement, frottez-moi fort. Vous allez m'arracher la peau. As-tu peur de moi? Je n'ai peur que d'une chose, c'est de mourir, Excellence. Je trouve que tu as beaucoup de cran pour une femme. Alors, tu as pris un bon bain? Une baignoire aussi grande, j'avais jamais vu ça avant. Vous ne devez pas payer l'eau. Pourquoi je la paierais? Il y a une petite source d'eau chaude sous le temple. Son eau est pure et fait la peau très douce. C'est un peu sensible. Les filles m'ont frotté très fort. J'offre toujours un cadeau à ma nouvelle compagne. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Demande-moi ce que tu veux. Sauf de partir d'ici, bien évidemment. Si tu veux partir, si tu tentes de t'évader, tu finiras dans les oubliettes. Vous pouvez libérer un homme. Vous le connaissez. Il s'appelle Fang Saillon. Tu en es amoureuse? Non, il m'a sauvé la vie. Qui sait remercier son sauveur est un homme ou une femme d'honneur. Et je respecte ce genre de choses. Ah, mais alors, vous voulez bien le relâcher? Je sais tenir mes promesses.
Tsuyo, tu t'en occupes. Bien sûr, maître. Maître, comment avez-vous pu survivre dans ce cul de basse-fosse aussi longtemps? Ce n'est pas facile de mourir, tu sais, l'instinct de survie est parfois plus fort qu'on ne le croit. J'ai l'impression que vous avez grossi. Je n'avais pas vraiment le choix. Pour survivre, il a fallu que je mange de la viande. C'est défendu, mais j'étais obligé de le faire. Mais alors, si je comprends bien, vous mangerez mon cadavre si je meurs. Ah non, je ne mange que les rats, il y en a partout ici. Oh, j'ai entendu du bruit, couche-toi sur les corps. Oui. Allez, dépêche-toi et fais le mort. Il n'est pas encore raide, celui-là. Il est là, emmenez-le. À vous autres. Il est très expressif, ce mort. C'est bon. Maîtresse. Jade, laisse-nous. Tout de suite. Honkai Kong, ce que Jade peut te donner, je peux aussi. Ce soir, tu vas être à moi. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis un peu fatigué. Laisse-toi faire. Je m'occupe de tout. Non, je ne peux pas! Vous êtes une princesse et la favorite de notre maître. Je ne peux pas être amant et serviteur. Tu t'en sers comme excuse? Dis plutôt que tu n'as pas envie de moi. Avoue que c'est ça, hein? Alors si je ne te plais pas, tant pis pour toi. Mais non, mais je n'ose pas! J'aimerais vous faire plaisir, mais... Mais je te fais peur, c'est ça? Je sais que je suis une princesse, mais je suis une femme. Et j'éprouve des désirs, moi aussi. Il m'est plus facile d'en éprouver avec Jade. Fais attention, c'est glissant. Bonjour, Excellence. Alors, comment va-t-il? La blessure n'était pas trop grave, il va s'en remettre. Comme tu as sauvé la vie de cette charmante jeune fille, je rembourse la dette qu'elle avait envers toi. Maintenant, elle est quitte. Elle t'a sauvé la vie, elle aussi. Vous avez donc souffert afin de me sauver, comme vous avez souffert avant? Son Excellence est un gentilhomme, c'est une faveur qu'il a voulu m'accorder. Comment allez-vous?
Ça peut aller, mais j'ai encore très mal. Je peux voir votre blessure? C'est douloureux? Prenez garde à lui. Je n'ai pas confiance en cet homme. Soyez sans crainte. On va s'échapper de cet endroit. Arrêtez de rêver. Jamais vous ne sortirez d'ici. Mais vous devez avoir des choses à vous dire. Alors je vais vous laisser seul. Vous devez avoir envie de... parler entre amis. Est-ce que ça va? Ah, très bien. Mais j'aimerais juste marcher. Si vous forcez, jamais vous n'arriverez à guérir. Si vous me soutenez, je ne ferai pas d'effort. Ah, vous voyez bien, vous allez vous faire mal. Ah, il faut que je fasse de l'exercice. Laissez-moi faire. Je vais y arriver tout seul. Vous voyez? Regardez. Ah, mais vous êtes content de vous? Pourquoi faut-il que les hommes jouent toujours les héros? Vous avez été obligé de faire des choses avec lui. Non, il ne m'a même pas touché. C'est reculer pour mieux sauter. Allez, on va s'asseoir. Venez. Venez là, il ne peut rien faire. Fong Saiyong. C'est la nouvelle favorite du maître. Tu es prié de garder tes distances. Cette distance te convient-elle? N'oublie pas une chose. Tu es un prisonnier. Hong Kong, tu as trahi Shaolin, mais un jour tu le paieras. Ferme. Oh, vous avez encore profité de la situation. J'ai eu un bon professeur. Tenez, mangez. Ça ne fait pas grossir. Vraiment, je suis désolé. Je ne voulais pas t'effrayer. Tu es si belle quand tu as peur. Non, pas comme ça! Si vous y tenez, allez-y! Ton corps sans me résister. Ah, espèce de putain! C'est comme ça qu'une vierge se comporte? Hein? Réponds! C'est pour vous faire plaisir, excellent! Je ne t'ai pas demandé ça. C'est quoi cette position dégoûtante? Tu te conduis comme la dernière des putains! J'ai horreur de la vulgarité, tu comprends? Tu devrais me résister de toutes tes forces! Mais toi, tu fais tout le contraire! Tu écartes les jambes! Je déteste la facilité! Tu me déçois beaucoup, beaucoup! Avant de venir ici, j'étais un grand général au service de Sa Majesté. J'étais loyal et profondément honnête.
Et puis un jour, je me suis aperçu que j'avais avec l'âge de plus en plus de cheveux blancs. Et je me suis rendu compte que nul n'est éternel. Même les riches et les tout-puissants ne peuvent échapper à la mort. J'ai donc pris la décision de profiter de la vie. Depuis, je fais ce dont j'ai envie. Quitte à être inhumain parfois. Tous les moyens sont bons pour jouir de l'existence. Alors, j'ai demandé à être muté. Parce qu'ici, quand je donne un ordre, il est exécuté. Ici, je peux avoir tous les pouvoirs. Personne ici ne peut me donner d'ordre. Je fais tout ce que je veux, parce que dans ce temple, c'est moi Dieu. Mais à quoi bon, les femmes? Le pouvoir? La mort? Je ne suis qu'un prisonnier comme tous les autres. Le temple maudit va être mon lieu de plaisir et ma tombe. Est-ce que tu as vraiment peur de mourir? J'ai peur, Excellence, je ne veux pas mourir. Il a fallu que je la tue parce qu'elle avait vu mon vrai visage. Si tu dévoiles mon secret, voilà ce qui t'attend. Je garderai votre secret, ne vous inquiétez pas, je le garderai. Tu as intérêt. Si tu veux vivre, ne dis rien. À la moindre allusion sur moi, je t'arrache la langue. Puisque j'ai libéré Fong Saiyan, à toi de m'offrir quelque chose. Et je le veux ce soir. Je te trouve si belle quand tu as peur. Si belle! Okay.
Vas-y, ouvre. Qui est là? Tu as vu quelqu'un? Non, personne. Je vais chercher par là. Moi, je vais de ce côté. Ne fais pas de bêtises. Je te préviens. Au moindre faux pas, je te tuerai. Arrêtez! Bon, ça suffit! Reviens là! Arrêtez, je vous dis! Cessez de vous battre! Attrapez-le! Et amenez-le moi! Viens là, va! Écartez-vous! Laissez-le! Je vous ai dit d'arrêter! Fong Saiyan, baisse ton arme, vite! Arrêtez de vous en prendre aux faibles! Moi, je veux bien me battre, si vous voulez! Ici, les faibles n'ont aucun droit. Ils doivent obéir, ou bien c'est la mort. Alors ce sera la mort. Dégagez! Allez! Si tu ne baisses pas ton arme, tu es un homme mort. Salut. Allez, 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 tous en position. Dégagez les prisonniers. Maintenant, tout le monde un genou à terre. Fong Saiyan, encore toi? Eh oui, encore. À ta place, moi j'aurais honte. Avoir eu la vie sauve parce que tu connais une putain qui est intervenue en ta faveur. Ce n'est pas digne d'un combattant, ça. Venez vous battre si vous en avez le courage. Contre toi? Vous avez peur? D'accord, je veux bien me battre contre toi. Rendez-vous dans l'arène. Tambour! Où sommes-nous, Excellence? Dans l'arène de la mort. Cet endroit est réservé au duel. Qui doit se battre contre lui? Le prisonnier Fong Saiyan mérite la mort pour rébellion. Il sera épargné à condition d'arriver à battre le maître de l'arène. Hong Kong? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Ah, le salaud! Il faut que tu nous venges! Fang Saiyan, pas de pitié pour ce traître! Tais-toi, ou je te tue! Allez! Zodinzi! Que faites-vous? C'est avec vous que je dois me battre! Désolé, je ne m'abaisse pas à me battre contre un prisonnier. Dis-moi, Ongekun. Hein? Que désirez-vous, Excellence? J'aimerais revoir la technique du tigre fantôme et celle de la grue. Si tu arrives à le battre, alors je t'offrirai ma favorite pour une nuit entière. Excellence, comptez sur moi, je ne vous décevrai pas. Ongekun, bien que nous soyons frères, l'un de nous doit mourir, mais ce ne sera pas moi. Tiens! Tu connais la technique de la grue? Fais-moi une démonstration. La grue me paraît complètement inefficace. Ne fais pas trop le malin. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'entraide ou on crève? Décide-toi. Fang Saiyan, écoute-le. Il faut remonter dans l'arène. On remonte? Oui. Ongekun, ça suffit, c'est inutile de continuer ce petit jeu. Regarde ce que je viens de trouver. Tu pensais peut-être t'enfuir grâce à cette carte? Ma petite Jade est une experte en plaisir charnel, mais c'est aussi une espionne. Excellence, il ne faut jamais se fier à un disciple de Shaolin. Ce sont tous des traîtres. Fang Saiyan, si tu arrives à tuer ce faux frère qui a trahi le temple de Shaolin, ma nouvelle favorite sera à toi. Je ne veux pas être la récompense des vainqueurs! Aïe! Frère, écoute. Il faut sortir d'ici. Libérons d'abord nos frères emprisonnés. D'accord? Tenez-le bien! Ne lâchez pas! Allez vite! Aidez-nous! Occupez-vous des soldats! Fang Saiyan!
Vous voulez vous révolter? Suis-moi. Fong Sayong, ne laisse pas! Me donne ça! Arrêtez, vous donnez raison! Sayong, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Dépêchez-vous de traverser le pont! Allez, passez! N'est pas la question. Tu fais juste partie de mon harem, et quand j'en ai assez d'une fille, je l'offre à un de mes hommes pour qu'il prenne du bon temps. N'oublie pas que je fais ce que je veux. Mais si tu refuses, c'est simple. Ta chère petite tête sera momifiée, et je te garderai précieusement comme une relique. Vous êtes vraiment fou! Il faut que tu saches que les morts sont parfaits. Pas de mauvaises pensées, pas de résistance. La mort, c'est la perfection pour moi. Oh, espèce de monstre! Il faut mourir si la mort vous fascine! Quand nous nous reverrons, je t'expliquerai. Et tu comprendras pourquoi je fais ce genre de choses. Excellence, tous les prisonniers sont enfermés. Ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont bêtes! Si on pouvait sortir de ce temple, il y a très longtemps que je l'aurais fait. Les chiens fidèles sont de plus en plus rares. Je crois sentir un parfum de trahison. Il faut tuer tous ceux qui désobéissent. Sui Ho, tu vas me surveiller les prisonniers. Et ne commets plus d'erreurs.
Bien. C'est un cul-de-sac! Allez, viens! Hey. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus qu'à sauter. Oui, que Bouddha nous protège! Ah. Oh, ça sent mauvais! Viens là! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les oubliettes! Mais c'est... Maître! Excusez, maître. C'est un peu tard pour s'excuser, imbécile. Aïe! Et désolé, il fallait l'éviter. Oui, t'aurais pu, c'est vrai. Et toi, espèce de traître! Alors il paraît que tu as pactisé avec ce fou sanguinaire. Maître, tu sais ce que tu mérites. Non, maître, non, ce n'est pas vrai. Il ne nous a pas trahis. Il faut me croire, maître. Je suis toujours fidèle à Shaolin. J'ai fait ça pour essayer de trouver un moyen de faire sortir tous nos frères. Et tu veux me faire croire ça? C'est vrai, je vous dis la vérité. J'ai fait semblant d'être avec eux afin de découvrir où sont les pièges de cette prison. Il faut le croire, maître. Il avait même fait une carte des lieux, mais une fille a été la remettre au chef du temple. Tu es sûr? Certain. Alors je te présente mes excuses. Mais ce n'est pas grave, c'est lui qui a pris le coup de poing. Oui, c'est vrai. C'est moi qui devrais recevoir vos excuses. Ah, mais pourquoi, avec tout ce que je t'ai appris, tu n'as même pas été capable de l'esquiver? Vous savez bien que je suis beaucoup moins rapide que vous. Ah oui, tu as raison. Maître, il faut trouver un moyen de sauver nos frères. Pour sortir, il nous faudrait des explosifs. Je sais qu'il y en a dans l'arsenal, mais ça ne va pas être facile pour y entrer. Très bonne idée. Mais il faut d'abord qu'on arrive à sortir d'ici. Moi, je crois avoir la solution. Je ne suis pas resté sans rien faire en attendant bêtement la mort. Venez avec moi. Formidable. Cette galerie va nous permettre de sortir. Waouh! Oh, mais c'est un travail de titan. Vous avez réussi à creuser ce passage tout seul? Mais non, je ne suis pas un surhomme. Il existait déjà, je l'ai simplement découvert. Bon, allez, on y va, maître! Non, je reste ici. Allez-y sans moi, je suis trop vieux pour me battre. Mais une fois que vous aurez réussi, n'oubliez pas de venir me chercher. Le sort de Shaolin est dorénavant entre vos mains. Alors, courage! C'est une énorme responsabilité, maître. Arrête de discuter et agis! D'accord. Dès que nos frères seront dehors, on reviendra vous chercher. Faites attention! Soyez sans crainte. Prudence. Le Bouddha vous protège. On va en avoir besoin! Ce temple renferme des secrets et des pièges de toutes sortes. Inutile d'espérer vous en échapper un jour. Tous les prisonniers doivent se plier aux règles. Toute désobéissance sera punie de mort. Est-ce que vous avez compris? J'ai vaincu Shaolin, ce qui veut dire que vous n'êtes plus rien. Respectez votre nouveau maître. Acceptez de vivre avec un nouvel idéal, mon idéal. Par contre, si vous refusez d'obéir, je vous tuerai tous sans hésiter. Doucement. Oh, c'est délicieux. Tu as goûté? Oui. Tiens, prends-en. Oh, merci. C'est elle. Frank Saiyan ? Que personne ne bouge. Vous, vous restez là. Va la chercher, on s'en va. Viens, t'en. Attention ! Frank Saiyan ! Elle va te tuer ! C'est raté ! Ce n'est rien. Surveille les filles. Moi, je m'occupe d'elles. C'est bon, je le tiens.
désolé, mais je fais ce que je peux. Attention, Monseigneur. Je tiens toujours pour l'instant. C'est ce qu'on va voir. Pas la garce, elle m'a eu. Ça commence à bien faire. Là, j'en ai assez. Tant pis pour toi. Ma jambe. Non, arrête. Elle a la jambe cassée. Maintenant, elle ne nous gênera plus. Épargne-la. Tu aurais pu m'aider, au moins. Tu m'as dit de les surveiller, je les surveille. Et moi, j'ai failli y passer. Tu aurais pu venir m'aider, non? Je suis désolé, mais j'étais sous le charme et... Au secours, venez m'aider. Mais elle est toujours vivante. Aide-moi. C'est bon. Ça va? Je crois que j'ai la jambe cassée. Ça va? Vous êtes blessée? Non, mais ça a failli. Pourtant, vous êtes toute pâle. Libérez-moi. Doucement, vous me faites mal. Je ne vais pas t'achever. Si tu restes tranquille. Attendez, ne bougez pas comme ça. Merci. Voilà. Et comment ça s'enlève? Laissez-moi, je vais le faire. Il suffit de tirer. C'est pas si facile. Fallait le faire, ça m'aurait évité de me battre. Mais j'avais les mains attachées, je ne pouvais pas. Aidez-moi. Donnez-moi la main. Saillon! Qu'est-ce que c'est que ce piège? Hé, tu m'entends? Saillon! Où est-ce que tu es passé? Vite, va-t'en. C'est du gaz toxique, vous aussi, partez! Viens! Non, laisse-moi, va-t'en. Pourquoi? Je suis perdue. Les autres filles m'ont entendu te prévenir. Elles vont lui répéter et il va me tuer. Mais non, nous allons fuir ensemble. Viens, tiens-toi bien. Ça y est, c'est allumé. Oui. Ça doit être une galerie secrète. Donnez-moi la main. Pas, les petites bêtes ont peur des grosses. Oui, mais je trouve pas ça drôle. C'est quoi ça? Ce sont des cadavres. Ça doit être les ex-favorites de ce fou. Elle vous ressemble, celle-là. Oui, ben non, c'est pas drôle. Chut! Quoi? Ce ne sont que des serpents. Ok, plus que ça. Au moins ici, on sera tranquille. On va pas se battre contre des morts. Mais pourquoi vous battez-vous? J'aimerais assez sortir vivant de cet enfer. Très franchement, je ne crois pas qu'on y arrivera. Je vous promets une chose, je ferai tout ce que je peux pour cela. Ah oui, c'est vrai. Ayez confiance, je ne parle jamais à la légère. Aïe! Hein? J'ai été piqué par un serpent! Partez, sale bête! Fichez le camp! Asseyez-vous. Non, non, ce n'est rien. Il suffit d'aspirer le poison, c'est tout. Voilà. Ce n'est pas grave, le serpent ne vous a mordu qu'à l'orteil. Ah, ah, mais si, c'est grave. Hein? Sur un pied, ça me gêne. Oh, vous ne voulez plus me sauver? Alors fermez les yeux. Arrêtez! Mais non, arrêtez ça, je suis terrible. Non, je vous en prie. Oh, mais arrêtez de rire, c'est sérieux. Je vais te porter. Non, ça va. Où on est là? Je suppose qu'il y a des pièges ici. Sûrement. Il y en a partout. Mais ici, je ne sais pas où ils sont. Faut faire très attention.
Où sont les explosifs? Derrière cette porte. Tiens-toi à moi. Il faut tourner la statuette sur la droite pour ouvrir. Ça marche pas. Il fallait tourner à gauche. On est enfermé. Bon, je prends la dynamite et ensuite on verra. Hé, hey, Kun, c'est sûrement piégé. Oh, je suis désolé. Non, c'est rien, ça va. Accroche-toi. Tiens bon. Je te remonte. Aide-moi. Ça y est. Tu y es presque. Attrape ma main. Oui, c'est ça. C'est bon. Tsui Ho. Tsui Ho. Tsui Ho. Si tu veux te mesurer à moi, c'est le moment. Attrapez. Faites pas ça, la dernière fois, ça l'a pas empêché de tuer votre oncle. Lâche-la. Tu vois, cette technique marche à tous les coups. Soulevez-vous. Espèce de garce. Adieu, traître. Yeah.
Je vais t'envoyer en enfer! Voici mon oncle, je vous ai vengé. Reposez en paix. Oh, regardez! La grille est ouverte! Vite, grimpez! Allez, montez! Faites-vous la courte échelle! Donc, tu es là? Sortez vite! Dépêchez-vous, tout va s'effondrer! Allez! Attendez-moi! Oh, oh, maître! Venez vite! C'est notre maître! Il est vivant! Oh, maître! Maître! Vous savez, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Nous aussi, on vous croyait mort. Oui, 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 bon, doucement, doucement. Je peux plus respirer, là. Je voudrais pas mourir étouffé à cause de toi. Mais ça suffit. Regarde, j'ai les mains très, très sales. Oh, tous vos disciples sont tellement heureux de vous revoir. Moi aussi, très heureux, mais on se congratulera plus tard une fois dehors. D'après ma carte, il n'y avait pas d'issue par là. Par contre, de l'autre côté, il y en a une. Eh bien, puisqu'il y a une sortie, et qu'est-ce qu'on attend? On ne va pas moisir dans le trou. Tao ? Vous êtes là ? Tao ! Je ne retrouve pas la sortie, elle a dû s'effondrer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une statue de Bouddha ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Mais... Non, maître ! Aidez-nous, je vous en prie, Bouddha. Comment peut-on sortir d'ici? Sans vous, nous n'y arriverons jamais. Vous voyez, même lui nous abandonne. Bouddha refuse de nous aider parce qu'il doit nous en vouloir. Et Kong, maître, allume l'encens, nous allons prier. Nous allons invoquer sa bonté. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Nous allons réciter les sutras ensemble. C'est prêt? Tenez, maître. Un peu émotif, messieurs. Je croyais pourtant que les disciples de Shaolin n'avaient peur de rien. Mais regardez-vous, vous êtes tous à plat ventre devant ce Bouddha. Il faut dire que je l'ai fait sculpter avec quelques petits accessoires de ma composition. Je trouve cela divin. Je donne un ordre et c'est Bouddha qui l'exécute. Le vrai dieu, en définitive, c'est moi. Vous allez le rejoindre en enfer puisque vous le vénérez tant, ce Bouddha. Occupe-toi du maître. Poussez-vous! Allez vous mettre à l'abri! Hey Kun! Tu sais que tu me déçois beaucoup! Je t'avais offert une vie rêvée, mais tu as préféré retourner avec tes frères. C'est dommage. Tu avais un grand avenir devant toi. Mais tu as donc choisi la mort. Alors, prépare-toi à mourir, Raikun. Je vous attends. Allez, montrez-vous. Venez vous battre. Raikun, qu'est-ce que tu fais? Il a décidé de mourir. Mais viens te joindre à lui. On va pouvoir s'amuser un peu. La vie est si monotone dans ce vieux temple. Vieux malade, sortez de votre cachette. Venez me chercher. Je suis aux portes de l'enfer. Ça vient de là. Je vous attends, messieurs. Venez en enfer. Mais où est-il? Il doit être derrière. Il faut trouver l'entrée. Venez. Mais maître, pourquoi devons-nous l'invoquer? Il ne fera rien! Il faut le faire parce qu'il veut mettre notre foi à l'épreuve. Mets-toi à genoux! À genoux, tu m'entends? Et implore son pardon!
mieux que ça. Pas aussi fort. Attention, maître. Regardez, maître. On voit le jour. Oh, mais c'est un vrai miracle. Bouddha nous a exaucés. Oui, mais c'est trop petit. On ne passera jamais par là. Alors prions, et il nous le dira. Maître, j'ai une idée. On n'a qu'à faire sauter le Bouddha. Mais tu es complètement fou. On ne peut pas le faire sauter. Une statue de Bouddha. Allez, prions. Il va sûrement nous dire comment faire. Tu as trouvé une issue. Pas la moindre. Ah, ah, qu'est-ce qu'on fait alors, hein? On rejoint les autres, hein? C'était donc vous? Il ne fallait pas venir me défier. Tu n'es qu'un lâche. Je n'étais pas prêt. C'est ça, jeune imbécile. Ton arrogance est l'apanage de ta jeunesse, Fong Saiyan. Mais supporteras-tu la défaite? Hein? Je vais réduire ta jeunesse en poussière, ça te servira de leçon. Vous allez voir de quoi je suis capable avec mes pouvoirs. Regardez! Mais attendez de voir la suite. Ça ne vous plaît pas, ça? L'énergie de la couleur! Pouvoir infini! Alors, appréciez-vous le pouvoir de mon art? C'est un art majeur! Ah, mais c'est la grue et le tigre fantôme! Que c'est drôle! C'est un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu vois? C'est rouge, comme le sang qui va couler de vos veines. Saiyan, oui, j'arrive. Reculez! Attention! Mettez-vous tous à l'abri! Non, c'est tout pas est prêt, possible. Maître! Comment je vais expliquer à Bouddha qu'on fait sauter sa statue? Mais on n'a pas de temps à perdre! Allez! Fais-le, toi! C'est vous, le maître! Allez, vous cacher! Attends! Bouddha, pardonne aux jeunes! Oh, oui, mais s'il ne pardonne mais pas, si, je te dis, ça va me poursuivre pas, toute ma vie! Pas. Oh non! Celui qui l'a lâché, c'est non, vous, c'est hein. Je suis ça va sauter! Allez, vous cacher! Et le jaune! Vous aimez? Voici définitivement en enfer. Viens là, toi. Tu vas t'occuper de notre maître. Je vais récupérer les autres.
trouver une sortie. Allez, venez. Partez devant, je vous rejoins. Tu vas faire quoi? Je dois retrouver Tao. Mais ça va sauter. Tao, est-ce que vous êtes là? Oui, Saiyan, par ici. Venez vite. Saiyan, où êtes-vous? Je suis sur le pont en flammes et je ne vois pas où vous êtes. Tao. Mais je ne vois pas où vous êtes! Oui, j'arrive! Oh là là! Ça fait haut! Je vais mourir si je chante! Dépêchez-vous! Oh, ah. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive! Non! N'ayez pas peur! Je suis là! Mais où là? Criez plus fort, j'entends pas! Mais là, je suis là! Mais criez! Criez! Ben ça va, c'est pas la peine de crier. Oh, mais c'est vous qui m'avez demandé de crier très fort. Oui, mais je pensais que vous étiez plus loin. Je ne peux pas marcher, j'ai mal à ma jambe. Comment on va faire pour sortir? Je vais vous porter, montez sur mon dos. Oui. Ah. Ah. Non, c'est trop dangereux. De ce côté, il y a un passage. D'accord. Elle est loin, la sortie, parce que moi, je fatigue. Il faut que je vous dise, la première fois que je vous ai vue, j'ai été foudroyée sur place. Comment ça, foudroyée? Foudroyée par l'amour. Oh. La grille est fermée, faut faire demi-tour. Allez! Ah, ça va? Vous vous êtes pas fait trop mal? Non, ça va. Dites-moi, c'est vrai, vous avez vraiment été foudroyé? Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Nous sommes coincés! Vous avez risqué votre vie pour moi. C'est la première fois que quelqu'un me vient en aide. Je vous avais juré de vous protéger et de vous ramener chez vous. Je ne reverrai jamais ma maison. Même lui nous a abandonnés. Ayez confiance, il va nous protéger. Il faut toujours garder espoir, vous savez. Tao, si nous devons mourir, je vous tiendrai la main et je vous accompagnerai au paradis. Alors, comment vont les tourtereaux? Dépêchez-vous de monter! On est bloqué par cette grille! On est coincé! Et voilà, c'est ouvert! Il y a toujours de l'espoir. Fais-la monter en premier! Oui! Allez-y! Montez! Donnez-moi la main! Tirez, j'y arrive pas! N'en profitez pas, Saiyan! Pardon, mais. Je suis désolé, mais. Il faut bien que je pousse! Partez pas sans moi! Attendez-moi! Débrouille-toi tout seul, t'es assez grand! Oh, vous allez me le payer! Traître! Nous sommes sauvés. Je ne vais pas tout de suite à Shaolin. Il faut que je la raccompagne chez elle. Je vous rejoindrai dans quelques jours. Oh. Ah oui, je comprends. Tu risques de rencontrer des temples comme celui-ci sur ta route, alors sois très prudent. Soyez sans crainte, maître. Et vous, mes frères, veillez bien sur notre maître en attendant que je revienne. Mais au fait, tu reviens quand? Après la nuit de noces, c'est ça? Mais qui vous dit que je vais me marier d'abord, hein? À bientôt, Kung. Au revoir. Tu sais, on ne t'en voudra pas si tu prends ton temps. Allez, donne-moi les rênes. Et bon voyage. Et toi aussi. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Oui. À bientôt. Oui, profite bien. Ah, ils forment un beau couple, tous les deux.